de licorne. Ok, voilà. Quelques tout petits mots d'abord pour vous souhaiter la bienvenue à Grenoble. Vous êtes ici dans un bâtiment en fait, qui transpire le sport puisqu'il a été construit pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1968. Et donc nous sommes ici dans l'histoire du sport. Quatre raisons pour lesquelles on est ravis de vous accueillir ici. Grenoble est une ville étudiante, plus de 60 000 étudiants. Grenoble est une ville internationale, nous accueillons plus de 9 000 étudiants internationaux et nous sommes tournés à l'international depuis toujours. C'est une compétition qui est organisée aussi avec la mobilisation des étudiants, donc par et pour les étudiants. Et un dernier point, la mixité est au cœur de notre politique sportive. C'est spécial pour l'équipe de France puisque presque la moitié est en connexion avec Grenoble, donc c'est aussi pour nous une fierté d'avoir de jouer deux fois plus à domicile, peut-être pour vous cette année à Grenoble. Bon match à tous et peut-être donc on se croisera autour des terrains à la Ligue. Merci. On sent bien qu'on est vraiment dans une terre de sport. Tout transpire le sport ici et c'est vraiment un plaisir. Et je vous souhaite à tous, tous ces jeunes gens là, beaucoup de bonheur à jouer. C'est vraiment difficile, je pense, d'allier des études et du sport de haut niveau. Là, le tennis, et je vous souhaite vraiment de bons matchs et beaucoup de joie encore et beaucoup de bonheur à jouer. Et ce tournoi a une originalité. Il est fait au-delà du soutien logistique de la Ligue régionale de tennis. Il est fait par les étudiants et pour les étudiants. Ils illustrent ainsi la devise de la Fédération française du sport universitaire qui est la triple excellence. L'excellence de l'esprit académique, l'excellence sportive et l'excellence citoyenne par l'exemple qu'ils donnent à tous les autres jeunes. Et que le meilleur gagne, pourvu qu'éventuellement il soit français. Allez.